800 quelques bénévoles, ben voilà, on n'est rien, on est 60-70 membres de l'association, mais sans les 800 personnes, ben voilà, le festival n'a pas lieu. C'est un festival qu'on a connu en tant que festivalier d'abord plus jeune, puis qu'on a vu grandir et on a eu envie de l'aider à continuer à grandir, d'être et puis de pouvoir passer le relais après aux plus jeunes. Je suis arrivé à Malétroit il y a 15 ans, puis j'ai connu plein de monde grâce aux associations. J'en vois en retour, quoi, normal. Puis c'est un plaisir. Aussi parce que c'est notre festival, on est de Malétroit ou du canton. Et si on veut que le festival perdure, c'est à nous de faire les choses. C'est bien, quoi. Alors là, c'est des chapiteaux qui sont prêtés par la Madone des Motards, Port-Carreau. Donc là, ça nous sert de. Ce sera la restauration diversifiée qui sera installée là. On a commencé la semaine dernière à monter les barrières Eras, là, pour dans les endroits que ça dérangeait personne. Et on finira nos barrières Eras jeudi matin et vendredi matin. Nous, on fait partie du club de pétanque, le Malétroit. Et on met les barrières. On met les barrières. On organise un petit peu l'ensemble, quoi. Nous, on le fait après notre journée de boulot. Dans notre semaine, on passe quoi? On passe 24, 25 heures? C'est ça, ouais. À peu près de préparation. Après tous les soirs. Tous les soirs, après notre boulot. Il y a des jeunes qui viennent en début de semaine. Ils travaillent la semaine et on leur donne un billet pour le week-end. Billet, t-shirt, quelques-uns. Et puis on les retrouve après dans l'association, quelques-uns. C'est la première fois que je vais ici, donc c'est pour découvrir un peu. Et puis, ça va être cool. Il y a 6 ans, j'ai eu l'opportunité d'avoir du temps de libre au moment du pont du Roc. Et j'ai trouvé nécessaire de venir donner un coup de main et de participer à la vie de Malétroit et participer aussi et partager des moments avec les autres bénévoles. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus enrichissant. On fait ça ensemble depuis 5 ans environ, les loges. Donc on est surtout à la préparation de bassins et puis mise en place des algéco, ainsi de suite. On a essayé d'animer les loges pour travailler sur l'accueil, surtout des artistes, faire que l'endroit dans lequel ils évoluent avant d'aller jouer sur scène, il soit convivial, sympa à vivre. Donc il y a des bassins, des plantes, sympa quoi. Mais les trois plages. C'est un peu ça. C'est ça, Jackie. Ouais, c'est ça, Michel. Nous, on fait la plomberie. La plomberie, zim zim plombier les tuyaux. L'eau, les chiottes, tout, la totale. Bah on est au bar. Heureux. On est au bar. On est heureux et au bar. Je suis coprésidente du festival depuis 8 ans. Ça fait quelques années que j'étais bénévole au Pont du Roc. C'est simplement s'inscrire. Après, on est partant pour soit le bar, soit la resto. Voilà. Après, c'est différents postes à pouvoir. Donc, chacun a sa responsabilité. Sur chaque poste, il y a des responsables de poste. J'ai comme mission la restauration des bénévoles, la restauration de tous les groupes et d'être un peu à superviser en même temps tout le monde et voir si tout se passe bien au bon moment et au bon endroit. Et voilà. Je suis bénévole dans de nombreux festivals et le Pont du Roc est l'un des plus proches de chez moi auquel je participe. Donc là, il y a une motivation géographique.
c'est la deuxième année que je suis bénévole et je suis au Rock Shop. Donc là où on vend des t-shirts, des gilets, des sacs, tout plein de choses. Sur le site, je suis allé électro. C'est moi qui ai lancé au départ et maintenant j'ai été repris par François. C'est François le responsable électrique, mon neveu. Donc ça, c'est un groupe électrogène qui va alimenter l'éclairage de la grande scène, qui va nous sortir 400 ampères. Donc je gère l'aménagement électrique du site du festival, tout ce qui est distribution électrique sur les scènes, tout ce qui est éclairage de service, l'alimentation de tout ce qui est bar, loge, restauration. Je suis salarié de l'association depuis au moins 10 ans. C'est un poste à l'année, donc je m'investis dans la commission programmation, dans la communication. C'est un ensemble de choses qui font que les bénévoles qui s'investissent et moi qui essaie de mettre de l'huile un peu dans la machine pour faire en sorte que ça se passe bien. Que je suis bénévole au festival, ça fait environ 15 ans. Et je m'occupe de l'accès des personnes à mobilité réduite sur le festival. J'ai insisté longtemps pour que ça se fasse, pour que les handicapés ils puissent voir comme les valides. Parce que si on se met à même le sol, et ben nous on voit rien. On voit que les fesses des spectateurs et pas le spectacle. Bah, au départ, c'était un peu plus. On était énervé pendant le festival, comme les festivaliers, mais on s'est vite arrêté. Parce que c'est pas trop possible de faire les deux, en fait. C'est vrai qu'un bénévole, il y en a qui sont dans l'ombre, quoi. Les bénévoles des parkings, c'est. On a vachement plus de mal à être festivalier. Alors que c'est vrai qu'un bénévole qui est à la restauration ou aux frites se sent peut-être plus impliqué en tant que festivalier, puisque ils peuvent suivre le concert, quoi. Ouais, ouais, c'est familial, c'est un bon festival, c'est ça. Ils sont festifs. Festivaliers sont festifs. Aux entrées, ouais. Nous, on est que. Alors, on peut pas être disponible là pour le moment, donc on est là que les deux soirs du festival. C'est Malétroit, c'est une petite commune, donc voilà, ça reste un festival qui est convivial et bon, c'est sympa. Presque 20 ans que je suis bénévole au Pont du Rock et il ne reste pas 20 ans si l'ambiance n'est pas là. En moyenne, c'est de 5 heures jusqu'à la fermeture du bar, donc 2h30, 3h du matin. C'est une équipe qui est là quand même depuis très longtemps et on se connaît tous, on se voit voilà, à chaque fois
Et je sais pas, on aime bien travailler ensemble, ça se passe super bien, la clientèle est bien aussi. Et franchement, il y a un bon esprit, je pense. Vous avez bien fait, il y a du terrain. Ah, mais un photo de tombe pour moi. Non, ah, mais alors, on peut pas. Un public super sympa, des gens qui viennent, qui ont envie d'acheter, qui ont envie de participer aussi à l'association en fait, en achetant du textile, avec voilà, en donnant une petite participation à ce festival. Donc non, très très bien. Festivalière, bénévole, membre, voilà, oui, c'est une longue histoire. Je suis responsable de la programmation avec donc mes trois comparses, Tony, Karim et Damien. Je fais partie du conseil d'administration de l'association également, depuis l'origine. Bah en fait, on s'occupe de choisir tous les groupes qui sont présents sur le week-end. Donc, pour de petites infos, on commence réellement à partir du mois d'octobre, pour clôturer en avril. Donc on se déplace à droite à gauche, aller voir des concerts sur Rennes, Nantes, Vannes, Lorient. Et on se met en contact et on va voir les artistes pour voir si c'est adapté à ici ou pas. Mercy. Mercy. Oh my God. Mercy. Oh shit. Bénévole, faisant partie de l'association aussi, et depuis 25 ans à peu près. Et donc c'est toujours agréable et des bons moments à passer et à vivre. C'est toujours sympathique de voir des groupes et puis tous les festivaliers aussi agréables, gentils, sympas, ça se passe bien, il fait beau, c'est festif et franchement c'est agréable, c'est bien à vivre. Sélectif, on charge le camion, on le décharge aux bennes qui sont derrière et on fait ça tout pendant tout le festival. On fait le tour partout. C'est des bennes de 30 mètres cubes, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que si on les remplit tous, bah, ça fait 210 mètres cubes de déchets valorisés. Je crois que l'année dernière, ils ont fait à peu près 9 tonnes de déchets entre l'ordure ménagère, le verre et le tri sélectif, il y avait à peu près 9 tonnes de déchets. Alors donc la restauration donc pour les bénévoles et le point presse aussi, voilà. Alors je pense que sur le week-end on va passer entre 1500 et 1700 repas. Bah, une bonne équipe, toujours la même, on change pas une équipe qui gagne quoi, mais bon, nickel quoi. Et on est rodé, on est habitué et les gens savent ce qu'on fait comme restauration et ça va, il n'y a pas de souci. Pour laver les gamelles, ils sont extrêmement rapides. Attends, on va attendre que tu poses. Hein. Ça glisse tellement vite que... C'est avant tout un lieu très convivial où on retrouve des gens qu'on voit une fois par an et qui ont le plaisir de venir et bien passer 2 jours avec nous. Donc c'est 2 jours où c'est pas facile parce que la restauration, et bien on est dans des friteuses, on est dans le barbecue. Mais on a la chance d'avoir des bénévoles qui sont toujours là depuis 15 ans, depuis 10 ans. Car on a des nouveaux cette année et qui ont le plaisir de venir avec le sourire. Donc chaque année, exactement. Donc malgré la puanteur de la frite, la puanteur de la saucisse, et on est toujours là. Bon,
Bah nous, au Grillade, on est toute une équipe de carreaux. Ça se passe très bien, ça fait plusieurs années qu'on vient. On amène le matériel, on amène les gens. On a un esprit convivial avec l'équipe de Saint-Abraham. Et on s'entend super bien, c'est vrai qu'on s'entend tous super bien. Et c'est pas une corvée, c'est un plaisir de venir. C'est un plaisir de venir, voilà. Je suis à la restauration publique. On va essayer de passer 1,8 tonne de frites. 350 kg de chipot, 350 kg de merguez sur les deux jours. Donc il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail, c'est très prenant. Là, c'est quasiment du non-stop depuis 17 heures. Pour preuve, les grillardins sont mis au taf dès 16h30 parce qu'ils n'ont pas envie de traîner trop tard et surtout prendre de l'avance. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris de l'avance. Hier, on a fait approximativement 8000 personnes. Et sur les deux jours, on est à 16500 réservations. Donc ce soir, on peut tabler sur à peu près 10 000, quoi, en gros. Entre bénévoles, on s'entend bien, tout, nickel. Une super ambiance avec les festivaliers. Il y a quelques accroches, mais sinon pour le reste, la majorité des gens sont sympas avec nous. Il y a un très bon échange entre nous. C'est une bonne ambiance, c'est très bien. Bah, disons que là, on a des jeunes qui récupèrent tous les gobelets qui ont été utilisés. Ils les rincent, les remettent en carton pour les envoyer dans les stations de lavage à partir de lundi. On doit être à peu près à 40 000 gobelets, en gros. Voilà, donc après, on a un retour sur 40 000 gobelets qui sont mis sur le site. On doit avoir un retour à peu près de 30 000. On est content quand ça se passe bien, que les bénévoles sont heureux, les festivaliers sont heureux. Enfin, le pari est gagné, quoi. On trouve ça cool de rendre un peu de bonheur aux gens. Voilà. Avant, c'est sympa. Je vais dire, quelques jours avant, le mot a été dit, c'est stressant, oui. C'est stressant. Et après, il y a une bonne ambiance. Sauf que c'est un petit bémol, hein, quand même. Ce serait bien si... on avait 10% des bénévoles qui sont inscrits pour venir bosser
après le festival passé, pour nous donner la main à tout débarrasser, ce serait vraiment sympa. Encore 20 ans, hein. Au moins 20 ans, hein. On a fêté les 25 ans, j'espère bien être là pour fêter les 45 ans, je sais pas comment, mais... Bon, c'est une belle histoire. Que du bonheur. Pour moi, aïe, tous les ans. Moi, je trouve partage. Génial. Excellent. Super. Voilà. Bing. C'est une grande famille, quoi. C'est une bonne partie de rigolade, de bons moments à partager tous ensemble. Une bonne complicité, je dirais. Super. La fête. L'ambiance, génial. Convivialité. J'allais le dire. Convivialité. Convivialité, je rajoute un deuxième et mot. Partage, partage. Super. Ah oui, il est chouette, le pro du rock, c'est chouette. Convivialité. Génial. Rock. Convivialité. Grande famille, ouais. Convivial. Personnellement, c'est une passion. Prenant. C'est une belle fête. La joie. Le pont du Rhône. La joie. Cette année, une réussite. Merci à toutes ces petites mains, parce que sans eux, il n'y aurait jamais eu de festival. Il n'y aurait toujours pas le festival. Et un grand merci à tous ces bénévoles. Longue vie au festival de Pont du Rhône. Merci.